Salut à tous, un unboxing. Décidément. On est à fond. Attends, Bonjour. Gravity Thrill de João Miranda. João Miranda. C'est la dernière c'est sortie. Écrit là. Et comme d'habitude, João, il s'est dit, je vais me faire chier. Je vais pas aller vers la simplicité. Exactement. Donc, vous avez, on va parler des extras aussi. Ça, c'est sur les extras. On en parle maintenant ou après. D'abord, à l'intérieur, vous recevez ce petit dépliant. Bah, João, il fait toujours les choses super bien. Vous avez tout ce qui est fourni à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez acheter en plus, que ce soit le taux switch, parce que tu peux activer aussi la télécommande avec un taux switch, le fil, la TAC. Nous, on n'a pas la grosse bobine de fil, il y a une bobine de 150 mètres. Nous, celle qu'on a, c'est celle de... Non, de 450 mètres, pardon. Nous, celle qu'on a, c'est 45 mètres. Mm-hmm. Mais c'est déjà largement suffisant pour ce que vous allez faire. La Gravity TAC, on en reparlera. Mm-hmm. Et vous avez le holder aussi, qui est vendu uniquement sur son site. Et l'idée, c'est que... Quand on ouvre la boîte, comme d'habitude, on a la boîte de... Ah oui, par contre, pour l'ouvrir, j'ai galéré aussi. Parce que tout est noir et tu ne sais pas où est l'ouverture. Et du coup, si tu ouvres... T'as galéré ? Ah, oui. Ça te dirait pas de regarder une deuxième fois ? Chacun son tour. Ouais, voilà. À l'intérieur, j'ai retiré le meilleur parce qu'on était en train de tourner juste avant la vidéo explicative en français, parce que vous avez une vidéo en français. Petite boîte fermeture magnétique. Et on va faire comme si, hop là, il y avait les choses à l'intérieur parce qu'elles viennent d'arriver. Vous avez le barillet. Alors, proprement dit. Oui, ne faut pas le voir comme un ITR, surtout pas. Ça fait ITR. Ça fait ITR. Mais c'est pas un ITR. Et mais comme on en parlait l'autre jour, je pense que les meilleurs effets, justement, c'est les effets qui ne sont pas les effets de, ouais, de lévitation. Notamment l'effet d'élastique. Ouais. Ah ouais, ça c'est top. Qui est de Souria au départ. En gros, vous avez, on vous montre en détail si vous voulez voir, vous avez un système à deux bobines à l'intérieur. Et du coup, chaque moteur est indépendamment alimenté et relié à une petite boulette que vous pouvez relier pour avoir le fil au milieu, pour avoir un énorme loop, on va dire, de fil invisible. Les bobines sont vendues vides, c'est à toi de les remplir, mais ça va très vite avec le fonctionnement. Et comme tu l'as dit, tu as la télécommande avec le petit potentiomètre. Un variateur pour les vitesses. Et les deux boutons pour activer les deux moteurs, sachant que dans un fonctionnement normal, quand tu vas tirer le fil, il n'y aura aucune tension. C'est un peu comme les anciens... Tarantula ou Spider-Pen, plus Tarantula, tu tirais, il n'y avait pas de tension, tu appuies, ça c'est toi qui décidais de ramener, ouais. Exactement. Vous avez plein d'accessoires aussi, qui sont chez nous. Tout est à l'intérieur. Tout est dans un petit sac comme ça, c'est la mode, j'ai l'impression, tout le monde fait ça. Vous avez des petits stickers qui vous servent à fixer le fil sur la bobine. Vous avez, là-dedans, il y avait la petite bobine. Vous avez un petit cutter, parce que pourquoi pas, un petit cutter plat. Le chargeur pour et la télécommande et l'unité centrale, sachant que on a joué beaucoup avec et il n'y a toujours pas de signe de faiblesse de batterie, donc c'est très 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 important. Ici on a le petit code de warranty, le code de garantie. Deux bobines vides si jamais vous voulez les remplir avec un autre type de fil. Et la Gravity TAC, des exemplaires, enfin un petit échantillon de Gravity TAC et une pince à épiler pour retirer les bobines. Il dit de ne pas le faire avec les doigts, donc c'est mieux d'utiliser les pinces à épiler, même si bon, avec les doigts, avec un peu d'entraînement, ça passe. Voilà, de tout ce que vous recevez, le fil est plutôt pas mal, il est un peu plus épais que tout ce qu'on a pu voir. Ouais, moi, il m'a un peu fait penser à du Fierson x2 de scène. Hein. Ouais, alors le Fierson x2 n'était pas utilisable en close-up, alors que là, tu peux clairement l'utiliser. Il est entre un Vectra et un Vectra x2. Mais il est très résistant et il en faut parce que les barillets tirent quand même assez fort, enfin en fonction de la vitesse que vous allez leur mettre. Moi, pour t'avoir vu l'utiliser et casser, je trouvais que tu remettais assez Les bobines, en fait, c'est vraiment l'avantage des bobines parce que comparé aux bobines qu'on peut avoir sur d'autres modèles, là, il n'y a que du plastique, il n'y a pas un truc pour mettre la vis. En fait, là, ils ont vraiment, je pense, pris les défauts des autres et ils les ont corrigés avec... Par exemple, les Vessica où tu as juste ça de fil, bah, là, tu as vraiment toute la bobine, il y a du fil. Quoi. Donc non, c'est très cool et ça se répare très bien. Mais comme on l'a dit, c'est pas un ITR. Il faut le voir comme un barillet. Ouais. Et puis, il faut le voir aussi comme quelque chose de relativement pro quand même. C'est pas, Si vous n'avez jamais fait de fil invisible, pour moi, ce serait une erreur de commencer par ça. Notamment, ne serait-ce que par le prix. Et puis, le côté programmable, c'est un peu comme les produits de Sean Bogunia où là, tu es quand même plus sur un truc professionnel où... Faut savoir pourquoi tu veux l'utiliser, si tu veux l'utiliser. C'est pas quelque chose. Sinon, ça va faire un super jouet. Vous allez vous amuser une journée avec, et puis derrière, bon bah, qu'est-ce que je fais. Mais il y a des vraies, vraies bonnes idées avec, et l'ITR, la fonction ITR est très pratique aussi. Et
Il y a les extras. Alors, donc, je vous conseille d'acheter du fil déjà. Alors, le fil, oui, ça, c'est le fil qui, va bien, machin. Donc, ça, c'est indispensable. Ouais, parce que sinon, vous allez. Moi, pour avoir chargé les bobines, ça se charge très vite, mais ça se décharge très vite aussi quand tu casses à pleine vitesse. Ça fait des nœuds, etc. Donc, c'est un apprentissage, hein, c'est normal, mais tu vas bouffer du fil au départ. Ouais. Par contre, va avoir de grosses réserves, plus pour la Gravity Tac, où en fait, bah, c'est si vous voulez toute la gamme, vous l'avez. Maintenant, c'est ni plus ni moins de la pâte à fixe. Ouais. Qui a été repackagée, reconditionnée. En petits morceaux, mais alors peut-être que au Portugal, là où Joe Miranda vit, ils n'ont pas de pâte à fixe blanche comme ça, ouais. Et donc peut-être qu'il a, il a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas, donc on lui laisse le bénéfice du doute à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, hop, tiens, si tu veux te mettre plus près, pardon, c'est de la pâte à fixe blanche en fait, c'est vraiment, et il n'y a pas de ah non, ça ressemble, non, non, c'est de la pâte à fixe blanche, il n'y a pas de. Yep. Donc ça fait un peu cher la pâte à fixe en France, on a des alternatives moins chères, donc, et pour le coup, je préfère la cire. Quand même. Ah oui ? Il dit que la Gravity Tac, c'est mieux. J'aime autant la cire. Mmh. Après, c'est une question de goût et d'habitude, je pense. Si on commence avec ça, peut-être qu'on sera plus... Custom Made Formula, quand même. Ah, Custom Made Formula by Patafix. Donc non, le barillet, la télécommande, tout est génial. Le fil, achetez-en vraiment si vous achetez le produit, parce que vous avez 15 mètres de départ fourni. Et c'est vrai que ça bouffe vite quand vous êtes en mode apprentissage. Là, les 45 mètres ne seront pas trop. Donc, petit conseil, achetez le fil. La pâte à fixe, vous n'en avez pas besoin parce que vous pouvez en trouver un peu partout. Mmh. Et c'est un très, très bon produit, ouais. Plutôt axé professionnel. Voilà, de par son coût. Exactement. Et de par sa, son utilisation sa, aussi. Sa oui, complexité pas, ouais, à ouais, l'utilisation. Ouais. Parce que tu passes une heure dans la vidéo explicative juste pour savoir comment servir des boutons, des différents trucs. Donc, c'est... Ouais. C'est pas quelque chose d'accès pour les débutants. Mais c'est très bien. Et nous, on se donne rendez-vous demain, comme d'habitude. À demain. Salut.